Alors nous arrivons au terme d'une année spéciale qui nous a réservé beaucoup de surprises, plus mauvaises que bonnes, et beaucoup de désagréments, c'est vrai. C'est pourquoi j'ai eu à cœur pour ce dernier dimanche de l'année de terminer avec une note un peu plus optimiste. Et c'est pourquoi j'ai donné pour titre à ce message aujourd'hui un avenir et une espérance. Dans cette atmosphère tellement pesante, nous avons plus que jamais besoin d'espérance. Et quand j'utilise ce terme espérance et non pas espoir, parce qu'il y a une différence entre l'espoir et l'espérance. Savez-vous la différence qu'il y a entre espoir et espérance? Dans le terme espoir, il y a une incertitude. On se tourne vers l'avenir avec le souhait que les choses puissent aller mieux ou puissent nous apporter quelque chose de positif. On espère, par exemple, si on a l'intention d'aller pique-niquer, que la météo sera favorable. On espère, si on veut se réunir en famille pour les fêtes de fin d'année, que le gouvernement nous autorisera de nous déplacer, qu'on ne sera pas confiné. On espère, beaucoup de choses comme ça. Mais si on est skieur, on espère que la neige sera au rendez-vous, que les remontées-pentes vont fonctionner. Là, c'est mal parti cette année. Voilà, ça c'est l'espérance, c'est l'espoir plutôt. Mais l'espérance, c'est tout autre chose. Alors, c'est quoi, me direz-vous, l'espérance? L'espérance, c'est... Il y a une certitude dans l'espérance. L'espérance dépasse le cadre de l'existence terrestre. Vous savez que dans ce fameux chapitre 13 de la première épître aux Corinthiens, il dit qu'il y a trois choses qui demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. L'espérance, elle a un lien avec la foi. Et c'est Paul dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 5, qui dit: quant à nous, notre espérance, c'est d'être déclaré juste devant Dieu au moyen de la foi. Telle est la ferme attente que l'Esprit fait naître en nous. Il n'y a pas d'incertitude dans cette espérance parce qu'elle repose sur une promesse de Dieu. C'est ce que nous dit Tite: l'espérance ne trompe point. Oui, c'est dans le Tite 1, verset 2, qui nous est dit: pour qu'ils aient l'espérance de la vie éternelle, cette vie nous a été promise de toute éternité par le Dieu qui ne ment pas. Et dans Romains 5, verset 5, or notre espérance ne risque pas d'être déçue, car Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Et la version seconde dit: l'espérance ne trompe pas. L'espérance, elle est ferme et solide, comme une ancre. C'est dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6 et au verset 19, qui nous a dit: cette espérance est pour nous comme l'ancre de notre vie, sûre et solide. L'espérance ne repose pas sur les hommes, mais elle est ancrée en Dieu, sur Dieu. C'est ce que nous dit l'apôtre Pierre aussi dans sa première épître. Par lui, vous croyez en Dieu qu'il a ressuscité des morts et lui a donné la gloire. Ainsi, votre foi et votre espérance sont tournées vers Dieu. Alors, on dit que l'espoir fait vivre, mais quand tout va mal, il n'y a plus d'espoir.
La parole de Dieu accorde une grande importance à l'espérance, mais par contre, elle ne donne aucune garantie sur l'espoir que l'on peut mettre dans les choses ou l'espoir que l'on peut mettre dans les gens, dans des personnes, ou même en nous-mêmes. Alors nous allons lire dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 29, à partir du verset 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel, et je ramènerai vos captifs. Je vous rassemblerai de toutes les nations et de tous les lieux où je vous ai chassés, dit l'Éternel, et je vous ramènerai dans le lieu d'où je vous ai fait aller en captivité. » Alors bien sûr, ce texte, il s'adressait au peuple d'Israël qui était en captivité à Babylone, mais il a quand même une portée beaucoup bien plus grande que cela, et il s'adresse aussi à nous aujourd'hui, aux hommes du XXIe siècle, qui vivent une autre sorte de captivité que la captivité à Babylone, mais qui sont captifs de leur passion, qui sont captifs du péché, qui sont captifs de leur nature charnelle. Et pourquoi avoir besoin d'une espérance, vous me direz? Parce que si on vit vraiment dans un épanouissement total, si nous vivions ainsi, nous n'aurions pas besoin d'espérance. Si nous avons besoin d'espérance, c'est que quelque chose s'est déréglé dans le monde. Parce qu'au besoin, au départ, il n'y avait pas besoin d'espérance. Tout était parfait et l'homme n'avait pas besoin d'espérance. Dans le livre de la Genèse, on peut lire, je vous lis ça dans la version du Semeur, « Et Dieu dit, faisons les hommes pour qu'ils soient notre image, ceux qui nous ressemblent, qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bestiaux, sur toute la terre, et sur tous les reptiles et les insectes. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image, oui. Il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit en disant, « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Alors, pourquoi je vous lis ce texte? Parce que, au départ, l'homme, en fait, c'était le patron sur la terre. Il n'y avait rien au-dessus de lui. Dieu lui avait confié la gestion de tout. Tout lui était soumis. Il dominait sur toutes les créatures, sur toute la création qui était mise à sa disposition. Il n'avait pas besoin d'espérance. Qu'est-ce qu'il pouvait espérer de mieux que ça? Il avait tout. Alors, qui c'était le patron? C'était l'homme sur la terre. C'était lui le prince du monde. N'est-ce pas? Et pourquoi cette espérance est-elle devenue une nécessité? Pourquoi cette espérance est devenue une nécessité? Eh bien, parce qu'il y a eu un bug. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a tout déréglé. Et on peut lire ça quelques chapitres plus loin, dans la Genèse, au chapitre 3. Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme, « Vraiment, Dieu vous a dit, ne mangez du fruit d'aucun des arbres du jardin ?»
La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Alors le serpent dit à la femme, mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. Vous serez comme Dieu. Ah, ça vaut le coup, ça. Alors l'homme, ils ont préféré faire confiance à la parole du serpent plutôt qu'à la parole de Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont perdu la suprématie. La suprématie sur la terre, que l'homme a perdu son statut de prince du monde. Il l'a donné à Satan. Alors aujourd'hui, plus que jamais, dans cette période si particulière que l'humanité traverse, les hommes ont besoin de retrouver la paix, la sérénité, et en un mot, ils ont besoin d'espérance. Nous avons lu au début un texte de Jérémie qui nous disait... Je vous ai pas lu jusqu'au bout. La femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit, en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et en mangea. Donc ils ont été jusqu'au bout de la désobéissance parce qu'ils pensaient devenir un peu comme Dieu. Et ils sont complètement plantés parce que le diable est menteur et il utilise toujours les mêmes méthodes avec nous aussi. Il cherche à nous tromper. Donc c'est comme ça que l'homme a perdu sa position de prince du monde et il l'a cédé au diable. Donc nous lisons maintenant, nous avons lu tout à l'heure un texte dans le livre du prophète Jérémie, c'est toujours Jérémie, mais cette fois dans le livre des Lamentations, qui nous dit « Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi, voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. » Alors si on actualise ce texte, on pourrait dire « Quand je pense à la situation dramatique que vit le monde aujourd'hui, quand je pense à cette pandémie quand même qui touche la terre entière, quand je pense à la situation économique dramatique de notre pays et de beaucoup d'autres pays, quand je pense à toutes ces entreprises qui mettent la clé sous la porte et à celles qui vont mettre la clé sous la porte dans les semaines à venir, quand je pense à la saturation des services hospitaliers, quand je pense au dérèglement climatique, quand je pense à toutes ces choses, mon âme est abattue. J'ai tendance un peu à déprimer. Alors la solution au problème, elle est dans la suite du texte. Je veux me souvenir que Dieu est bon. Je veux me souvenir que Dieu est compatissant. Je veux me souvenir qu'il est toujours compatissant parce qu'il est toujours le même, il ne change pas
contrairement aux hommes. Alors, en résumé, apprenons à orienter notre regard. Apprenons à élever notre vision. Prenons l'exemple d'Abraham. Il était déjà très âgé et, humainement parlant, il ne pouvait pas comprendre que cet héritage que Dieu lui avait donné, eh bien, il puisse servir à quelque chose, parce que il n'avait pas d'enfant, il n'avait pas de descendance. Alors à quoi bon avoir un héritage important puisqu'il n'avait pas d'enfant? Pourtant, Dieu lui dit, lève les yeux. Autrement dit, arrête de te limiter à ce que tu peux comprendre, arrête de te limiter à ce que tu peux voir dans ton environnement immédiat, mais élève ton regard. Nous lisons dans Genèse, chapitre 13, versets 14 à 17, « L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et regarde depuis l'endroit où tu es, vers le nord, le sud, l'est et l'ouest. Tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les grains de poussière de la terre. Si on peut compter les grains de poussière de la terre, alors on pourra aussi compter ta descendance. Lève-toi, parcours le pays en long et en large, car je te le donnerai. » Et deux chapitres plus loin, on voit qu'Abraham, qui ne s'appelle toujours pas encore Abraham, mais Abraham, n'a pas encore vraiment intégré les promesses de Dieu à son égard. On peut lire dans Genèse 15, 1 à 6, « Après ces événements, l'Éternel s'adressa à Abraham dans une vision. « Ne crains rien, Abraham, lui dit l'Éternel, je suis ton protecteur, ta récompense sera très grande. » Abraham répondit, « Éternel Dieu, que me donnerais-tu? Je n'ai pas d'enfant. Et c'est Éliézer de Damas qui héritera tous mes biens. Tu ne m'as pas donné de descendance, poursuivit-il. Et c'est un serviteur attaché à mon service qui sera mon héritier. » Alors l'Éternel lui parla en ces termes, « Non, cet homme-là ne sera pas ton héritier. C'est celui qui naîtra de toi qui héritera de toi. » Puis Dieu le fit sortir de sa tente et lui dit, « Contemple le ciel et compte les étoiles si tu en es capable. » Et il ajouta, « Tes descendants seront aussi nombreux qu'elles. » Abraham fit confiance à l'Éternel et à cause de cela, l'Éternel le déclara juste. Dieu demande encore à Abraham de lever les yeux plus haut. Compte les étoiles si tu peux. Il veut lui faire comprendre qu'il ne doit pas s'arrêter aux apparences. Lève les yeux. Regarde cet immense univers que tu ne peux pas cerner, que tu ne peux pas comprendre, que tu ne peux pas, dont tu ne peux pas atteindre les limites. Eh bien, c'est toi, si minuscule, tu vois cela, eh bien, c'est ce Dieu qui a créé tout cela qui s'occupe de toi. C'est lui qui t'a fait une promesse. Alors, qu'est-ce qui serait impossible pour lui? Alors, ne voulons-nous pas, comme Abraham, faire confiance à l'Éternel? Qui voulons-nous croire? Sur qui voulons-nous nous appuyer? Le monde veut nous faire croire qu'il faut mettre notre confiance dans notre compte en banque, qu'il faut mettre notre confiance dans ceux qui nous gouvernent, qu'il faut mettre notre confiance sur notre plan d'épargne. Mais dans ce texte des Lamentations de Jérémie que nous avons lu tout à l'heure, il nous est rappelé que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, que ses compassions ne sont pas à leur terme.
Et est-ce que vous avez réalisé dans la formulation de ce texte, ces compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Dieu nous rappelle que nous devons compter sur lui au jour le jour, chaque matin. C'est chaque matin qu'il faut apprendre à s'en remettre à lui. C'est chaque matin qu'il faut prendre du temps dans sa présence pour chercher son conseil. C'est chaque matin que on est appelé, on est invité à puiser dans sa parole, dans sa présence, dans la prière, dans un moment de communion avec lui, à remettre notre journée. Oui, c'est chaque matin que on est appelé à nous tourner vers le Seigneur et à chercher son conseil. Vous savez, les Israélites, lorsqu'ils étaient dans le désert, Dieu leur a donné la manne. Et c'était chaque matin qu'ils devaient aller s'approvisionner. Ils ne pouvaient pas faire de stock. Et il y en a qui ont cherché à en prendre un peu plus pour en garder pour le lendemain, mais ça, c'était pas bon. Il fallait chaque jour qu'ils renouvellent. Il n'y a que le vendredi qu'ils pouvaient prendre la provision pour le jour du repos. Alors de la même façon, nous sommes appelés aussi à faire confiance au Seigneur et à prendre du temps avec lui chaque jour. Vous pouvez lui faire confiance parce qu'il est fidèle. Comme le rappelle le prophète Ésaïe, au chapitre 30, verset 15, « Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est si vous revenez à moi, si vous restez tranquille, que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Dieu veut nous apprendre à lui faire pleinement confiance. Dieu veut nous apprendre à élever notre regard. Il veut que nous cessions de regarder à ce qui frappe les yeux, comme Ève qui, en regardant l'arbre interdit, vit que l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Alors elle a pris de son fruit, elle en a mangé, elle en a donné à son mari. Elle a cru aux paroles mensongère du serpent qui lui avait dit « Vous serez comme Dieu ». C'est là que les choses ont commencé à se dégrader. La parole de Dieu s'est accomplie et l'homme est devenu mortel. Et c'est là qu'est arrivé le désespoir. Si les choses s'étaient arrêtées là, que pouvait espérer l'homme? Mais Dieu est bon. Dieu est amour, et dans cette période où on est encore proche de Noël, nous nous rappelons qu'il a fait exactement le chemin inverse de l'homme. Il était Dieu et il s'est dépouillé de sa nature divine pour devenir un petit enfant. Dimanche dernier, j'ai entendu un message d'un culte de Noël sur YouTube. Et le pasteur Yvan Castagnou rappelait que Dieu s'est dépouillé de ses attributs divins pour revêtir la condition humaine, en devenant un nouveau-né fragile et vulnérable, pour faire ce qu'Adam n'avait pas pu faire. Là où Adam avait complètement foiré, eh bien, Jésus a réussi. Jésus a réussi à vivre une vie parfaite sans jamais fauter,
sans jamais pécher. Et plus que cela, il a été jusqu'au bout de la mission que Dieu lui avait donnée, c'est-à-dire qu'il a donné sa vie en rançon pour nous, pour nos fautes. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui nous pouvons mettre notre espérance dans l'œuvre qu'il a accomplie pour nous, en mourant à notre place pour expier nos fautes. Oui, si nous le croyons et que nous lui faisons confiance, alors nous savons que, quelles que soient les circonstances aujourd'hui, le meilleur est devant nous. Christ est venu, il a tout accompli. Ne limitons pas notre regard, élevons notre regard et mettons notre foi en action, levons les yeux vers Jésus, lui qui a tout accompli. C'est lui qui nous a acquis un avenir et une espérance. Alors, chers amis, même si nous traversons des temps difficiles, alors voyons plus loin que ces temps difficiles et sachons que le meilleur est devant nous. Vous le croyez ? Le meilleur est devant nous si nous avons mis notre confiance en Jésus. Amen. Voulons-nous prier. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu as tout accompli et de ce que nous qui étions sans espérance parce que nous avions hérité de cette désobéissance du premier homme. Nous avons hérité de cette nature charnelle, pécheresse, et nous sommes incapables de faire le bien, incapables de vivre sans faire d'écart. Mais nous te remercions de ce que toi, tu as accepté de revêtir notre nature et d'accomplir ce que l'homme n'avait pas pu accomplir. Et ainsi, parce que tu étais parfait, ton sacrifice, il peut parfaitement nous libérer. Tu nous as ouvert un chemin. Tu nous as ouvert la voie vers l'éternité. Nous avons cette certitude que si nous nous appuyons sur tes promesses, si nous croyons, si nous levons les yeux vers toi, si nous avons cette foi d'Abraham, alors nous avons un avenir et une espérance. Merci Seigneur. Amen.